Nous sommes à Liège. Imaginons l'année 718. Saint-Hubert est évêque de Tongres, mais il habite Maastricht. C'est lui, Saint-Hubert, le véritable fondateur de Liège. En 718, il vient enterrer ici son prédécesseur immédiat, Saint-Lambert, sur les lieux mêmes où quelques années auparavant, il a été assassiné. C'est-il Saint-Hubert, en 718, que le tombeau de son maître, Saint-Lambert, deviendra le berceau et le noyau d'une ville. Aujourd'hui, la métropole liégeoise se souvient qu'un jour elle fut capitale, que jadis elle avait un cœur, un double cœur, temporel avec son palais, le palais du prince, celui qui tient l'épée, spirituel avec sa cathédrale, le siège de l'évêque, celui qui tient la crosse. De ces deux symboles du pouvoir, détenus par un même homme, il ne reste plus que le palais. La cathédrale fut systématiquement démolie dans les suites de la Révolution française par les Liégeois eux-mêmes qui la regardèrent disparaître pendant 30 ans. Inondation, construction, destruction, révolution, tel fut le destin de cette place. Ces multiples métamorphoses ne l'ont jamais empêché d'être le noyau, le pivot, l'axe autour duquel graviterait la ville. Ce n'est plus qu'un cœur de pierre, disent les autobus qui roulent dessus. Bientôt il sera remplacé. Un cœur artificiel, une gare autoroutière souterraine, un cœur de béton avec de nouvelles artères. Mais avant de laisser le béton vibrer au son des moteurs, dépêchons-nous d'écouter à cœur ouvert le langage des pierres, car soupesées, mesurées, humées, caressées par certains savants, les pierres ne meurent pas, elles racontent. L'époque, après les alluvions naturelles de la Meuse qui sont antérieures à l'homme, c'est le paléolithique moyen qui se trouve ici dans ces limons alluvionnaires eux aussi. Et on y a retrouvé une série d'industries du paléolithique moyen, donc dont j'ai apporté quelques pièces, qui se trouvaient approximativement à cette altitude et qui étaient contemporaines de ce qu'on appelle l'homme de Néandertal. Ça fait quelles années ça? Et ça se situe approximativement du point de vue chronologique entre 70 000 et 35 000 ans. Alors le paléolithique c'est assez loin, ça fait 30 000 ans avant Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des traces plus proches de nous? Oui, mais je vais vous montrer ça en haut. Voilà, là dans le fond, nous sommes à peu près à 4,50 m du niveau de la place. Nous avons retrouvé des vestiges d'une civilisation mésolithique, donc la fin des peuples chasseurs, et en particulier ces petites lamelles que j'ai préparées à votre attention et qui sont des instruments de silex, donc qui étaient destinés à armer des sagaies ou des pointes de flèches en bois ou en bois de cervidé. Et on est en quelle année là? Là on se situe au 7e millénaire, probablement vers entre 6000 et 7000 peut-être avant notre ère, donc. Et ce sont les derniers peuples chasseurs dans un environnement comparable à celui d'aujourd'hui, donc des bosquets de bois, et qui chassaient le renne, le sanglier ou le chevreuil. Et après, il y a les agriculteurs, oui. Donc ça, c'était les derniers chasseurs paléolithiques. Et puis, j'ai ici amené également de la céramique néolithique qui date donc des premiers vestiges d'agriculteurs qui s'étaient installés sur le bord de la Meuse, dans un endroit particulièrement fertile, et qui sont donc les premiers agriculteurs de Belgique et qui se situent vers le 5e millénaire. Alors, une des particularités techniques de ces civilisations, c'est d'introduire chez nous l'art de la céramique. Voici quelques éléments, dont un tesson de poterie, une paroi de vase, et un mamelon qui pouvait se raccorder à un vase type, donc une anse perforée. Il y avait une ferme ici de... C'est une sorte de ferme d'exploitation agricole qui était installée en bordure de Meuse, à la fois pour exploiter le limon et également probablement pour le parcage des animaux. À l'origine, la Meuse, renforcée par un affluent l'Ourthe en de nombreuses ramifications. Îles basses, marécages, inondations, rien de ce qui est utile pour une habitation. Cependant, c'est là, au confluent de la Meuse et de la Légia, qu'on a trouvé il y a 70 ans les vestiges d'une villa belgo-romaine, centre d'un petit domaine agricole. On appelle hypocauste une installation de chauffage centrale, chauffant les chambres par le sous-sol.
Voici ce que l'on peut voir sous le niveau actuel de la place Saint-Lambert, résultat des fouilles de 1907, et en voici la reconstitution au musée royal d'art et d'histoire du cinquantenaire. Ici nous nous trouvons sur le sol romain, et après l'occupation romaine, vers la fin de l'occupation romaine, il y a eu un phénomène naturel fort important pour l'histoire de la place, qui est un comblement, jusqu'à ce niveau-ci approximativement, d'un leus. Donc c'est une argile qui a descendu le long de la pente derrière le palais et qui a comblé la place sur près de 2 mètres de hauteur. Et c'est à cette époque-là, donc entre le 4e et le 6e siècle, se sont installés les premiers occupants du haut Moyen-Âge. On peut savoir que le sol était déjà à cette hauteur-là à l'époque mérovingienne, puisque vous voyez ici un sarcophage daté par le matériel archéologique qu'il contenait de l'époque mérovingienne, approximativement le 6e siècle. Et dans ce sarcophage a été donc été taillé sur le mur romain, vous voyez la découpe dans le mur romain, pour installer le sarcophage à partir d'un sol qui cette fois se trouvait bien plus haut que le sol romain, ici approximativement. Au loin, à 30 km, Maastricht est déjà une ville. Ici, à la villa romaine disparue brusquement, a succédé un petit village, habité par quelques descendants des envahisseurs francs. Et c'est un évêque de Maastricht, un certain Monulf, qui fonde ici, au VIe siècle, bien avant Saint-Lambert, une petite chapelle. C'est une légende, dit l'historien, mais aucune pierre ne prouve le contraire, dit le romantique. Voici le plan des fouilles de 1907. Quatre grandes époques historiques se partagent les pierres. Les fouilles réouvertes voici 3 ans par l'Université de Liège dans ce secteur ont permis d'en clarifier la superposition. Bon, dans cette partie-ci de la fouille, on est en présence des vestiges les plus anciens d'édifices religieux après l'occupation romaine. Ces vestiges se retrouvent en particulier sous la forme de ce mur rectiligne, dont on connaît mal la signification, mais qui doit être en liaison avec cette structure-ci qui est, comme vous voyez, courbe. Alors là, c'est important puisque c'est le seul édifice, donc outre le fait d'être le premier, c'est le seul qui présente une abside courbe de ce côté-ci de la place. Première phase du 7e siècle ou fin 6e siècle. Dans l'enchevêtrement des pierres de tous les âges, voici ce qui semble-t-il subsiste de l'édifice mérovingien. Et Saint-Lambert aurait très bien pu venir prier ici, dans un édifice ressemblant à celui-ci. Et puis, après ce premier édifice dont on connaît très peu de choses, quelques éléments disséminés sur la place, se trouve cet édifice à pan rectiligne, dont vous avez le mur qui se développe sur toute la longueur du futur chœur. Et ce mur est daté par recoupement archéologique, recoupement des structures, de l'époque carolingienne. C'est ce qu'on appelle l'édifice à redans, puisque dans la partie intérieure de ce même mur se trouve une série de redans qui définissaient les supports de la couverture de la crypte. En enterrant ici Saint-Lambert, Saint-Hubert a installé définitivement le siège de l'évêché à Liège. Le culte de Saint-Lambert attirait du monde, il fallait donc une église plus grande, une cathédrale. Elle fut dédiée à Saint-Lambert et à Notre-Dame, et avec quelques libertés, c'est ainsi qu'on peut se la représenter. Par la suite, cet édifice donc, qui est attribué approximativement vers le 8e siècle, donc l'époque carolingienne, aurait été remplacé par l'édifice nogérien, beaucoup plus important, dont on retrouve des traces dans la crypte, mais également jusqu'au bout de la place. Donc nous avons dans l'ordre l'époque mérovingienne, pour faire simple, avec cet édifice à abside courbe, l'époque carolingienne avec l'édifice à redans, puis l'église nogérienne, fin 10e siècle, avec la crypte. Après, nous nous trouvons ici en présence d'un sol qui présente des traces d'incendie. On sait par les textes qu'en 1185, donc fin 12e siècle, l'église a été incendiée. Et probablement, d'après la céramique que nous trouvons et qui peut être également datée du 12e siècle, l'incendie devait se situer à cette altitude-ci. C'est-à-dire que ce sol, nous sommes maintenant à l'extérieur de l'église, ce sol correspondait au sol d'occupation lors de l'installation de l'église nogérienne. Nogé, vin et fit le reste, ou presque.
Reconstructeur de toute une ville, il donna à sa cathédrale une ampleur nouvelle. Voici ce qu'il en reste et le plan d'ensemble que l'on peut en déduire. Caractérisé par un double transept, sans doute pour répondre aux besoins liturgiques des offices chantés par les chanoines, autre caractéristique, le cœur de cet énorme édifice est très petit. La cathédrale n'était pas seulement une église, mais un ensemble de bâtiments aux fonctions diverses, cloître, réfectoire, dortoir pour les chanoines qui vivaient encore en communauté, école pour les clercs et les laïcs. Après, vous voyez cette couche jaune très importante, correspond à des rejets de construction de pierres de sable. Vous voyez quelques éléments, vous voyez comme ceci, ce sont des déchets de construction qu'on a amassés ici à l'extérieur de l'édifice et qui doit dater du XIIIe siècle, donc début XIIIe siècle, après l'incendie, lorsqu'on a construit l'église gothique qui s'étendait jusqu'à la place du marché. Ceci correspond donc à la phase de construction de l'église gothique, quatrième phase des édifices religieux de la place. L'édification de la cathédrale gothique respecte le plan de l'église romane. On ajoute simplement les bas-côtés et on bâtit une cathédrale qui cette fois-ci durera 8 siècles. Après, nous avons cet éboulis d'ardoise qui contient également de nombreux verres qui proviennent de la verrière de l'église gothique. Et cette couche d'éboulis doit correspondre à la destruction de l'église gothique à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. C'est les révolutionnaires français là. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un élément qui a amené la destruction beaucoup plus rapide de l'édifice, qui est un élément technique assez simple, c'est que les sans-culottes utilisaient le plomb rejointoyant les ardoises pour le refondre et en faire des balles. Et c'est ainsi que la toiture d'abord s'est laissée aller. Et puis la population liégeoise s'y est mêlée et a détruit donc l'ensemble de l'édifice gothique, dont vous voyez la destruction, c'est-à-dire l'inverse de ceci, dans la partie jaune ici au-dessus. Cathédrale Saint-Lambert, restituée en relief au musée d'art religieux par le patient travail de Jean de la Croix. Dans la série Les Bonnes Villes, c'était une première lecture de Liège à cœur ouvert, Liège première partie avec la collaboration du Crédit Communal.